Oui, Daniel, je suis là. Les bonnes 73 à toi. Ok, d'accord. Attends, j'ai un peu de mal à te sortir. On va passer sur le 19 Alpha, le 2795, en Lima, Sierra Bravo. Ah bah tu m'étonnes, il n'y a pas photo. Hein. Par contre j'imagine que toi là, attends ouais c'est bon, j'imagine que tu dois me clarifier un petit peu, le poste en plus il est gelé, un chi trois coups. Bon là t'avais le Lincoln là ou t'es revenu avec ton poste? Non, là pour le moment je ne peux pas le faire réparer l'autre. Là je suis, à mon avis ce ne sera pas avant l'année prochaine. Hein. Non, je suis avec le Lincoln. Ok, continue à se faire cette détonation ou ça a changé là? Vous t'en trouvez les petits problèmes qu'il avait? Tu parles du 7009? Eh, je ne suis pas électronicien moi, ni informaticien. Hachi! Je l'expédierai à CRT quand je pourrai. C'est-à-dire pas pour le moment en tout cas. Okay. Ben René, il a eu un problème, ben René Kilo Delta là. Il a eu un problème, mais attends, je vais couper la ventilation là parce que il lui a renvoyé un poste neuf, carrément. Ouais, mais parce que le sien est certainement encore sous garantie, le mien, il n'y est plus. Hein. C'est vrai, ça fait 5 ans. Eh oui, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Non, le mien n'est plus du tout sous garantie. Hein. Ouais, c'est comme le mien. Moi, le mien, peut-être qu'il faut en fait qu'on va le garantir, pas de que je l'ai pour rien, mais bon, non, bien, que je l'ai acheté, et puis voilà. Ouais, à mon avis, vaudrait mieux tu le mettes en privé. Parce que le truc qui s'est passé, c'est que quand tu as créé ça, tu as emmené tout le monde avec toi. Hachi, trois coups. De mon côté, avec les explications justement là, qu'il m'a donné là, cette nuit, j'ai dû me sortir de là, car ça me faisait monter un peu plus le compteur, on va dire. Car là, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est plus de 100 notifications par jour que je m'attrape. Hein. Putain la vache, c'est dingue. Donc, avec ça en plus, je m'arrachais les cheveux. Ouais. Marc, tu dois rire quand je dis ça, parce que vu ce qu'il me reste, au secours. Ah, chi. Alors, ça serait moi, dis donc. Voilà. Dis donc, il y a mon patron à l'appel, là, hein. Je ne sais pas si c'est les grèves qui passent, mais pour un... Ah oui, c'est normal, on est mardi, et puis il y a aussi les grèves, parce que je suis un peu de monde par rapport aux autres jours, là, ce matin, là, j'ai au moins une quinzaine de voitures dans la moi, là. Ah oui, ben les grèves, oui, ils sont forcément pour quelque chose, hein. Ah, ça, oui. Enfin, moi, tant que ça ne m'arrangeait pas plus que ça, tout à fait, pour aller travailler. C'est vrai que je ne peux pas dire que je suis embêté par les bouchons. Voilà. Donc, ça ne sert plus
voilà, un chien. C'est quand même important, comme le dimanche matin, là, les week-ends, je peux te dire que... Voilà, bon, enfin, c'est pas grave. Voilà, bon, ok, ça y est, là, ça, ils sont venus tenir un petit peu, là, ça, ils sont lâchés des journées. Oui, ouais, non, mais j'ai bien compris, d'habitude, t'es largement en dessous. Là, pour le coup, avec du monde sur la route, t'es obligé de monter à la vitesse légale. Hachi. Oui, tant mieux, parce que, puis de toute façon, ça va leur faire du bien aussi, là, là où je suis en journée, là, en ce moment. Car un peu tous trouvent que je leur mets un peu trop la pression. Ben, c'est pourtant le boulot qu'on me demande de faire, hein. Donc, de toute façon, moi, pour ma part, je reste dans les clous, hein. Oui, bah c'est des, oui, déjà le, enfin, le maximum, tu veux dire, de toute façon, un chi trois coups. Disons que le gag, c'est que les remontées qu'ils veulent, c'est d'abord, de la part de toutes les entreprises, ils veulent que ce soit du négatif. Alors, je m'emploie à ce que je sois le plus détesté possible. Je ne rentrerai pas les détails, sur les détails au niveau du boulot, puisque de toute façon, de ton côté comme du mien, c'est grosso modo la même chose. Après, moi, de toute façon, c'est plus là-haut qu'ils ont peur que nous, hein, puisque nous, de toute façon, on serait repris, donc c'est pas un problème. Voilà. Mais après, il faudrait pas que ça soit la même qui est repris à Isaac, là, hein. Voilà, il faudrait pas que ça soit la même société, parce que là, ça serait pas du tout bon. Ah oui, non, mais alors là, tu vois, ça m'a même pas traversé l'esprit, quoi. Non, mais disons que ce que je veux dire par là, c'est que nous, au niveau des entreprises qu'il y a sur les chantiers, ben, on leur demande d'être constamment là sur leur dos pour qu'ils aient tous les équipements de sécurité. Et ça, c'est dur à avaler. Donc, autrement dit, plus je les emmerde à ce niveau-là, plus eux se plaignent et plus au-dessus ils sont contents. Alors, tu vois, c'est un petit peu folklore, quoi. Après, bon, il y a des conditions dans lesquelles, moi j'étais de ce côté-là, et on te demande de faire, de porter ci, de porter là, de faire ci, de faire là. Mais non, il y a des contraintes par moment, hein, donc tu es obligé de, si tu veux travailler, hein, avancer dans ton travail, tu es obligé de faire un don de ce qui est proposé, hein, voilà. Eux, c'est sur le papier, mais après, ce qu'ils te disent, voilà, donc c'est pour ça que malheureusement il y a des gens qui sont incompétents par rapport à ça. Ouais, tu sais, c'est dans tous les métiers pareil, hein. Là, c'est pareil, hein. Tu regardes au niveau des entreprises, c'est pareil, on leur demande d'avancer ceci, cela et ainsi de suite. Mais par contre, ils ont intérêt à être au niveau méthode de travail dans les règles. Il arrive à un moment donné, forcément ça coince. Il y a un joueur par exemple, le truc tout con que j'ai eu là justement là ces jours-ci. Bon, le mec il avait besoin d'aller faire une soudure dans un escalier en hauteur. Là la réglementation te demande carrément de mettre un échafaudage pour pouvoir travailler dessus. Car travailler à l'échelle c'est interdit. Et encore plus dans un escalier. Il arrive à un moment donné où, par exemple, un détail comme ça, c'est pas évident à jongler. Qu'est-ce que j'ai vu aussi c'est le port du casque. Le mec, il doit passer la tête entre les tuyaux et tout ce qui s'ensuit. En haut, là, sur un échafaudage, au ras du plafond. Là aussi, là, le casque, il arrive à un moment donné, il faut réfléchir aussi, où ça devient pas possible.
C'est donc le temps 2, il va forcément l'enlever. Bon, tu vois, c'est autant de trucs, de détails que, qui sont pas bien compris en haut, quoi. Tout à fait. Tout à fait, mais c'est le jeu qui n'a pas été passé entre deux, mais le casque avait des petits vestibules, bon. Mais il faut qu'il ait à côté de lui, voilà. Même s'il n'a pas son tête, le casque, il faut qu'il ait à côté de lui. Ça, c'est... Et comme tu le dis tout à l'heure, là, pour la soudure à hauteur, oui, mais ben, aujourd'hui... Ouais, ben de toute façon, de mon côté, là, pour les badges, le problème est réglé parce que les porte-badges, on n'a plus. Et les mecs, vu comment ils bossent et tout ça, pour moi, c'est sûr qu'ils vont les perdre. Donc, je leur demande plus de le garder dans la poche, que de toute façon, c'est bon pour passer le tourniquet et puis c'est tout, quoi. Hachi. Au fait, changeons de conversation, Hachi, trois coups. T'as dû voir tout à l'heure sur un autre groupe dont je citerai pas le nom en fréquence, Hachi, que j'ai partagé des trucs à propos du Québec. Si tu me connais, tu sais que si j'ai fait ça, c'est que peut-être qu'il y a quelqu'un du Québec qui a atterri dessus. Ah ben de toute façon, du Québec, hein, si tu parles aussi. Oui, mais de toute façon, on est constamment en contact, hein, mais bon, par messagerie, quoi. Ça je me doute, hein. Moi, c'est pour ça, dès que je le vois connecté, bon, après, toi, l'avantage que t'as, c'est que la nuit, tu es en mer ouvrée pour eux, donc, t'as plus de facilité d'être en contact avec lui que moi, bon, mais... alors que je me couche, j'ai une armate, tu sais, voilà, moi je suis au lit après. Et ouais, quand je vais à M2Runner, avec une armate, je suis au lit là. Hier soir, moi j'ai poussé un petit peu plus là. Parce que bon, je suis tombé, j'ai regardé une série là qui était sympa. Putain la vache, il y a un véhicule qui est passé à côté de moi, il va parasiter le con, j'ai rien compris, quoi. Ben, je te disais, je suis arrivé devant le portail, là, je me garde sur le temps. Ok, d'accord. Ouais, à l'occasion, il faudra que j'arrive à aller de ton côté, que je te montre un truc. Et pour ça, il faudra qu'il fasse beau quand même, ça sera mieux. Hachi. Oui, il faudra qu'on arrive à voir ça. Il y a le dos là qui vient de passer là. Tu sais là où on a fait le repas l'année dernière.
demain matin, puisque demain matin, je, pareil, hein, je suis... Ben, de toute façon, maintenant, je bouge quasiment plus. Hein. Ok, oui, je suis en train d'en faire une. Hein. Hier, j'ai eu la flemme. Pourtant j'ai trouvé le canal d'appel de la belette. Ah oui, en fait, tu as ces 73, le canal d'appel. Son canal habituel, je veux dire. Il est avec ses collègues, là, en bas, sur le canal 3. Ah, chier, trois coups. J'ai pas osé les déranger hier. Ils étaient bien, là, tous, en train de discuter ensemble. Je suis resté derrière à les écouter. Mais tiens, là, une fois QRT, là, je vais y aller, je vais basculer dessus, là, pour voir s'ils sont là. Ok, les 73 à toi, Daniel. Et force pas trop, Hachi. Merci pour ce petit QSO, bye. Oui, j'ai fait pour la belette, hein. Ok, c'est 100% QSO pour moi. Ok, Rémi, allez, reste bien, bonne journée, dors bien. Allez, je passe QRT, là, je passe à l'intérieur. Ok, merci, bye bye. Par contre, ton poste est délivré, hein, parce que ça fait 2-3 fois là que j'essaie de me recaler sur lui, là, sur toi. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Hein. Et puis en plus, beaucoup disent qu'il n'y a pas mieux que les postes présidents, mais ils sont comme tous les autres, hein, comme tous les postes mobiles, hein, de toute façon. Hein. Tout ce qui est mobile, mis à part si on va chercher carrément dans les gros trucs décamétriques, qui sont plus stables, mais autrement tous les postes mobiles bougent un peu plus ou moins. Hein. C'est de toute façon on le sait, hein, c'est comme ça. Ok, à plus. Allez, à plus. Attention la belette, est-ce que tu es dans le quartier? Ah. Attention la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Ouais, je sais pas si j'ai envie de te répondre. Oh putain, j'ai vu le signal, au secours. J'ai le poste qui s'est collé au plafond. Et bonne amitié, mon petit Rémi. Comment il va, le gars? Eh, ça va, j'étais sur ton canal habituel, je t'ai pas trouvé. Putain, mais t'es pas loin de moi. Hein. J'arrive au rond-point, là, en bas de la côte de la GT. Ah, mais évidemment, moi, je suis devant le pont, là, au rond-point du poste de sécurité. Ouais. Tu rentres à la maison, là? Ouais, t'es derrière moi ou devant moi? Bah, si t'es à la GP, t'es devant moi, si tu t'en vas vers ton cœur, hein. Parce que là, moi, je suis au rond-point, là, du poste de sécurité du pont, là. Oh, mais c'est que je fais quelques tours de rond-point gratuit. Oh, mais je vois... Pardon, excuse-moi, j'ai avalé un éléphant. Je ne vois guère que ça, hein. Ok. Eh ben, je suis en train de tourner en rond, là, autour du rond-point. Ah, chier trois coups. Il arrive, t'inquiète pas, il est là, bientôt au rond-point du Limousin. Mais tu vas me reconnaître, d'avoir, je roule en marche arrière. Ouais, c'est ce qu'il m'a semblé voir, j'ai vu le cul blanc. Ouais, je fais comme il a fait, j'ai mis le cul blanc, comme ça on me voit de nuit, ça m'évite de me faire écraser. Ça doit être toi là, non? Non, je suis au rond-point du Limousin, là, du restaurant. T'es encore là-bas? Ah, excuse-moi monsieur, je suis. En plus il y a des gens qui me font freiner et je suis jamais qu'en camion. Je peux aller à la vitesse que ça va. Oh ça y est de suite. Putain, j'en ai un qui fait comme moi là. Ah bah ben ouais, ils sont du ciel, il y a des mecs qui s'amusent à tourner en rond, ben on va faire pareil. Voilà, le cul bleu, c'est toi ou t'as un cul blanc? Non, moi j'ai un plateau, je suis à vide pour le moment. D'accord. Non, je viens de dépasser le restaurant, mais j'ai du monde devant moi. Ok, bon, j'en ai un peu marre de tourner en rond. Je vais aller dans de ton côté et de toute façon, là, je vais... ah bah oui, il y a un rond-point entre, donc ça va être bon. Ouais, là, tu arrives au rond-point de la douane, là, normalement. Ouais, je sais pas combien de tours j'ai fait, j'ai pas compté, mais bon, j'en ai fait quelques-uns quand même. Ah mais d'abord moi ça c'est pas compliqué, tu vois mon coin c'est le plateau suivi et j'ai mis maintenant accroché au rétroviseur, tu vas bien me voir hein. Il y a des chances.
J'ai un monsieur avec une citerne à 12 euros de gaz devant moi, alors. Ok, voilà, la poubelle blanche, voilà, qui te laisse passer, voilà, c'est moi. Merci, je le remets à toi, j'avais pas besoin de m'arrêter, les papilles. Ah ben j'ai vu ça, tu m'as à moitié roulé dessus. Ah ben tu devrais savoir que les routiers ils roulent bourrés. Roulez bourré. Bon, comment il va ce gars de Rémi? Il est en forme, il est moche là ou quoi? Ah, je suis trois coups, oui. Allez, vas-y, avance, je vais me faire ton cul. Ah ben, je ne pouvais pas pousser la citerne de gaz, non, j'ai pas envie de m'enflammer ce matin. Ah, je suis trois coups. Et je t'ai déniché hier. J'ai vu où t'étais là en bas. Ah, si. Vous étiez tellement bien tous là à parler ensemble que du coup, j'ai pas osé prendre le micro. Quand ça, hier matin? Oui, hier matin. Oui, parce que j'accompagnais un jeune collègue qui vient d'intégrer l'entreprise dernièrement, et donc je lui faisais voir les circuits par lesquels il faut qu'on passe, puisqu'il est sur le même contrat que moi. Ah oui, parce que là, hier, j'étais pareil au même endroit que là, cette nuit, et puis demain, ce soir, ben, je retourne pareil. Donc demain matin, à 6h aussi. Tu retournes broyer du Nord encore? Putain, oui, c'est vrai, t'as raison, la nuit, ils éteignent tout. Ouais, mais c'est l'ancienne usine, tu veux dire, là, peut-être avant. Bon, est-ce que la lune est pleine? Je sais pas, je n'ai pas fait le test de l'alcotest, mais je la vois pas en tout cas. Ah, c'est normal, elle est au ras du sol. Tout à l'heure, là, quand je suis venu embaucher, elle était au ras du sol, attention, ça freine. Elle était dans les nuages en plus. C'était très joli à voir, parce qu'effectivement, elle est quasiment pleine. Quand tu dis pleine, tu parles de quoi? De la lune, elle parle de moi. Hein. T'as vu la belle de lune, c'est joli avec toutes ces lumières derrière? Alors, que j'essaie de trouver la faille. Putain, merde, il n'y en a même pas, quoi. Ah putain, j'essaie de trouver la faille, il n'y a même pas une loupiote de grillée, quoi. Ben non, mais qu'est-ce que tu veux? De la perfection, c'est moi. Ben, il te manque, comment t'as dit hier? Ah oui, les deux Pères Noël qui tournent. Ouais, tout à fait. Ouais, l'autre plateau, j'ai deux bivandum à l'arrière et deux à l'avant. Et par moment, ça marche bien, puis l'autre fois, je sais pas pourquoi. Ça n'arrête pas de clignoter. Ah, c'est joli, mais bon, c'est la Noël. Hein. Mais quand tu passes en émission, ton antenne est claire? Bien sûr, oui. Mais ça, c'est le cadeau de mon fils, ça. Ah oh, putain, génial. Oui, ça s'éclaire en vert. Voilà, tout à fait. Bah, j'avais le même modèle, mais la décoration était imitation camouflage vert caca noir. Autrement, il y avait cette version verte qui s'illumine quand tu modules. C'est vrai que c'est joli, ça, c'est un petit charme. Ouais, et puis en plus, le gros avantage, c'est que quand tu passes en émission comme ça, si t'as les papas 22 derrière toi, ils savent de suite quand t'as le micro en main, quoi. Non, je vais attacher avec un fil de nylon, il se promène dans la cabine. Il en raconte des conneries, c'est routier, toujours il m'énerve, jamais je ferai ce métier. Ah putain, tu m'étonnes. Au fait, alors, c'est quoi son problème de tos? Oui, putain, oui, j'écoutais ça. Ton collègue, là, qui a des coupures de réception, son poste, si c'est un poste qui a le double squatch d'un côté automatique, de l'autre côté manuel, si c'est bien ça, il a tout intérêt à le mettre sur la position 0, qui veut pas dire du tout à fond à gauche. Et là, ok, il t'entendra constamment, si c'est bien ça, quoi. Ben là, il m'a rappelé hier après-midi au téléphone, pendant sa pause, enfin hier midi, il m'a dit, en fait, le bouton squat, il avait tout balancé à droite. J'ai dit, ben non, hein, remets-le à gauche. J'ai dit, c'est pour ça aussi que t'entends pas bien. Ah, tu m'étonnes! Bah, c'est sûr! Puisque, en plus, sur les nouveaux postes, enfin, depuis quelques années, t'as ce foutu squat automatique qui est avec. Et il te pèse la gueule facilement parce que dès que tu tournes à fond à gauche, et bien là pour le coup tu n'entends plus rien. Et c'est vrai que là il y a un juste milieu à trouver pour qu'il reste à zéro. Oh, scolaire, il faut qu'il force avec ta mère là. C'est ça de plus pitié que l'ancien président. Oh, oui, mais évidemment il a tout foutu à moi. Je lui ai dit, ben, après je ne connais pas, c'est les nouveaux postes de président, c'est les petits modèles en même temps. Hein.
Eh bien voilà, c'est ça, comment ça s'appelle, ASC ou je sais plus comment, là, le squatch automatique, je sais, bon, peu importe le nom. Mais oui, s'il balance tout à gauche, il risque de l'enclencher avec. Ah, je sais pas, alors je lui ai dit, bah écoute, t'attends l'occasion de se retrouver ensemble, j'ai été égal de jeter un coup d'œil, mais bon, je lui ai dit, t'as vu, normalement, tu dois avoir la revue de la suite, puisque le camion et le France sont tout neufs, et apparemment, non, ils n'ont pas laissé la revue, c'est vachement délire. Ah, dans ce cas-là, est-ce que tu sais quel modèle c'est de président? Non, non, pas du tout, c'est un nouveau poste, je ne le connais pas du tout. Bon, c'est des petits postes, hein, parce qu'en même temps, ça, c'est juste pour appeler quand on est sur place à la carrière pour se faire servir. C'est bon, ça. Ok, ouais, ben, ben non, j'aurai pas de temps aujourd'hui. Ben, ce soir, il faudra que je jette un coup d'œil là, sur Internet. Que je voyais un petit peu les fonctions là, des différents présidents là, dans les petits 40 canaux AM et AMFM. Ouais, parce qu'après il m'a parlé de tout un tas de boutons ou de tout, ça, je ne sais pas trop parce que c'était au téléphone. Il m'a donné tout un tas d'initiales et tout. Je lui ai dit, mais jamais entendu parler de tout ça. Ouais. J'ai essayé de comparer par rapport à mon poste. Non, non, il y avait NEB, oui, effectivement, mais après le reste, c'était que des trucs que je ne connaissais pas. Ouais, bon, la fois que je regarde ça, pour essayer de te donner des infos si demain matin j'étais en fréquence. Bah, y a pas de problème. Moi, demain matin, oui, de toute façon, moi, demain, je livre vers les 7h sur le Chambordeau là-bas, sous-marine. Donc, on devrait se confier sans problème. Ouais, ok, ouais, ça va le faire. Ouais, va falloir que je saute ça. Ouais, c'est vrai qu'en plus de ça, les nouveaux postes, ils ont des nouveaux filtres, comme le HIQT, qui est excellent comme filtre. Bah, tu l'as sous le tien aussi, le HIQT, par exemple. Pour les autres fonctions, ouais, va falloir que je regarde un petit peu là, sur le site de président. Tu as les manuels qui normalement doivent être avec aussi là sur leur site. Il va falloir que je sais tout ça. Ah si, allez, moi je tourne ici. Je sais, mon petit Ibi. Attends, je vais faire demi-tour, moi. Je vais pas m'emmerder, je vais faire demi-tour. Ça va beaucoup trop loin, là. Ouais, fais demi-tour ici, hein. Ouais, je fais toujours comme ça le matin, parce que ça m'emmerde d'aller trop loin. ouais, c'est peut-être pas le truc à faire quand même, hein. Après, ben, je sais pas. Je vais réfléchir, mais je vais m'abstenir. En tout cas, là, dans la voiture, là, j'ai un haut-parleur avec LED là, de chez CRT. Ah, je peux te dire que tu me l'as éclairé, le truc, hein. Ah, mais attends, c'est sûr que c'est un haut-parleur, c'est pas un sapin de Noël, plutôt? Un certain quoi? Un sapin de Noël, parce que je comprends pas, mon poste, moi, il est éteint, je vois pas comment ça se fait, hein. Non, le HP externe. Ouais, oui, mais t'inquiète pas, c'est une blague, j'avais bien compris, Rémi. Attends, vas-y, on reparle. Je te disais, c'était juste une blague, je t'ai dit, on parle en fait, c'est à peine de Noël, c'est pour ça, ça c'est clair. Ouais, c'est ça. Bon, Rémi, je suis mon petit Rémi, avec ton poste qui marche pas trop bien, je vais te souhaiter une bonne journée parce que je vais te perdre, voilà, non? Oh là, toi qui me cherches. C'est bon de rire quand on est jeune. Tiens, regarde ton signal maintenant. Là. Est-ce que tu crois que là, t'es en train de me perdre? Bon, Rémi, tant que j'y pense, je te remercie quand même pour les renseignements pour le collègue. Ouais, t'es sûr que t'es en train de me perdre, hein? Y'a pas de problème, je suis de ça ce soir. Ok, mais je te remercie, non, rassure-toi, c'est sûr que je te perds pas. Là, j'arrive à la sortie 24, non, avec les postes qu'on a, si on te perd là, dur, hein. Oui, et puis en plus, histoire de te faire chier un peu plus, j'ai allumé la locomotive derrière. Ah non, mais t'inquiète pas, y'a pas de problème, ça passe, hein. Alors, les stations fréquences qui sont sur la nationale 89 dans le sens Libourne-Bordeaux, eh bien c'est pas mal chargé. Les bouchons sont pas loin là. Oui, hé,
Allez, je t'entends encore, Achille. Ouais, putain la vache, là, il y a... Je sais pas d'où ils sortent. À quoi que tout le monde a envie de travailler aujourd'hui, putain, je suis bien fait, ouais. Ouais, j'ai un peu de mal à te sortir, mais oui, effectivement, il y a du monde. Hein. Putain la vache, c'est... Je sais pas, moi qui croyais que plus personne travaillait aujourd'hui, qu'il y avait soit des je sais pas, alors je vais pas polémiquer, quoique c'est petit-il. J'étais persuadé qu'on avait, putain, je vais dire ça autrement, j'étais persuadé qu'on avait plus personne pour payer nos retraites, à part nous-mêmes. Et puis en fin de compte, là, je suis surpris là, de voir tout le monde y aller en courant même. Bon, bah, ça passe plus de mon côté. Les 73 à toi, bonne journée. Ouais, putain, c'est compliqué là. Là, t'es complètement, complètement perdu. Hein. Tu dois être. T'as dû traverser le pont peut-être même. Hachi. Bon, je t'entends plus. Bonne journée à toi, demain matin. J'ai fait un tour de galette, là, comme ça, pour voir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de QSO. Ça veut tout simplement dire que, bah, c'est retrouvé, je suis peut-être passé sur un canal où il y avait du monde, mais entre deux prises de micro. Ça peut être ça aussi, qui donne l'impression qu'il n'y a personne.